Qui a les temps sinon. Aïe aïe aïe, ça me gagne seulement. C'est hey. Les pommes de galets. Ouais, n'est-ce pas, tu as les pectoraux que les gens touchent. On te donne l'argent. Aucun business ne donne le temps. Tic 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 tic. Avec l'autre, c'est son beau cœur là-bas. Toi, non, ton histoire va sortir dans la pioche. Bonjour tout le monde. Hey, mamie, oh, je ne sais même pas comment tu as fait pour entrer ici là. Il n'y a plus de maison à louer. Le dernier studio qui était là, le petit garçon s'est venu. Tiens-toi là-bas. Vous êtes là que vous voyez souvent les gens vous parlez. Ça, c'est la cospine de Black Doll. Moi, j'avais dit que non. Quand j'avais vu Black Doll, on s'était embrassé là. J'étais avec le clin d'œil. Tu n'avais pas seulement vu. C'est ton derrière que moi voulais. Ouais, je ne suis pas là pour ça. Est-ce que je peux te parler en aparté? En aparté? Non, avoir vu, tu vas passer deux ou quatre. Non, il n'y a plus les appartements. Je ne sais même comment tu te supporter. Est-ce qu'on peut te parler en privé? Ah, en privé? Ouah, sous 5 privés, le mot juridique. On go, ouais, y a pas, tu n'as pas besoin d'aller en privé avec lui. Tu vois un peu, non? Ici, c'est la famille. Donc, tout ce que tu as lui dit, nous serons au courant. Donc, vas-y. D'accord, c'est comme vous voulez. Mm-hmm. Ta copine Black Doll me charge de te dire qu'elle est bloquée à la maison à cause de son père. Je suis au prince charmant pour la délivrer. Wanda. Elle fait même comment pour te supporter? Moi-même, je suis toujours. Elle est enceinte! Ah, et tu en es l'auteur. Je sais pas, parce que moi d'abord, moi j'ai toujours dit que le soleil, c'est vrai que ça a les vitamines, mais il faut porter le casque pour que ça te brûle. Bref, je n'ai pas assez de temps. Je n'ai qu'une seule chose à te dire. Il faut que tu aies été présenté le plus tôt possible chez ses parents. Parce que sinon... Merci pour la nouvelle, ma copine. Viande. Escalibu, l'homme, je ne t'avais pas demandé de boire les préservatifs ici. Si au moins tu avais bu, tu as accepté les filles. Tu es même long à. Attends, go. Donc, tu fais déjà. Le long gosse, le sang fonce. Il sera bientôt papa tos. Il imagine un peu en train de faire sur la gola que je suis. Nos affaires ne mangent même pas d'abord. Ouh, wow. Tu es encore en scène. Tu peux seulement nous envoyer un bonjour. La fille d'un colonel, mon frère. Tu sais que le temps, sinon, le gaz, il est mou, le temps d'un vie. Aïe! C'est bon, frère. Maman. Il n'a pas de toutes mes meilleures copines. T'as mis le balcon en valeur. C'est comment non ma personne? Je vois grand chien de Lolo. Mais maman, tu as ça, tu as le balcon. Vicky, tu as pas encore remarqué que tout le monde se rencontre sous le manguez là. C'est comme si Dieu a créé le manguez seulement pour toi et moi. C'est pour mettre notre amitié en valeur. Ça dit quoi non? Toi tu ris non? Tu montres les dents, tu es fière non? C'est ça. Hein? Ton frère m'a pris de l'argent depuis. Tu ne fais rien. Tu ne te défends, donc ça ne te gêne même pas de m'aider à prendre mon argent. Rien, c'est ça. Hein? Ouais, Vicky, pourquoi quand les gens posent leurs actes, ça vient toujours retomber sur moi et toi? J'ai fait quoi, Seigneur? J'ai fait quoi? Vicky, quand tu as pris l'argent, tu as donné à mon frère, est-ce que tu m'as dit, tu m'as signifié, tu m'as notifié, est-ce que tu m'as rectifié? Non! Tu as pris l'argent, tu as donné de ton propre gré. Pourquoi maintenant c'est moi qui dois payer les pots cassés? Et tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas récupérer mon argent. Ouais, Vicky.
J'ai fait de mon mieux. Escalibur n'avoue même pas d'abord que tu lui as donné l'argent. Okay. Escalibur, tu as pris l'argent chez Vicky. Quel argent? Oh, le papier, c'est la peinture qu'on met sur ça. Oh, quand tu as touché ce que tu n'as pas. Il me raconte du n'importe quoi. De toutes les façons, ce que moi je veux, c'est mon argent. Et tu es censé être ma copine. Tu es censé être celle-là que peu importe le souci qu'il y a avec un membre de ta famille, toi tu prends les devants parce que tu es mon ami. Il a pris mon argent. Donc, j'ai dit carrément, hein, ça ne te dérange pas. Un voleur, parce que ce qu'il a fait, il a volé mon argent. Tu nous menaces déjà. Non, je ne vous menace pas. Non. Et puis, je ne te permets pas de traiter mon frère de voleur. Je ne te le permets pas. Mon frère est tout, c'est vrai. Il a ses sales habitudes, mais ce n'est pas un voleur. Ok. Comme ce n'est pas un voleur, c'est ton frère, non, tu le défends, non. Ce qui va suivre, je ne réponds plus de rien. Tout ce qui va suivre, va suivre. Tout ce qui va arriver, je ne réponds plus de rien. Parce que quand je demande moi-même, ça ne, rien ne change, non. Je ne réponds plus de ce qui va suivre. Ah. Ouais, Vicky. Moi, je ne sais même pas pourquoi tu es autant énervée. Vicky, moi, il t'avait dit qu'elle laisse l'affaire de Léonidas là. Léo, il vous bluffe. Je sais que ce sont les abdos que tu vois là, c'est ça qui t'attire. Il vous bluffe avec ça, c'est la caricature. Tu vois, non? Tout ça, il va vous aimer bluffer les cocos avec. Hein? Parce que si tu vois, regarde tes lolos, tu poses ça suivre. Ça va pas bien donner. Il va t'embrouiller, il va t'utiliser, il va partir. Alors, si tu trouves ton bon gars là, tu vois, non? Qui a le bon ventre aussi là, le gros ventre, avec les gros comme ça, avec beaucoup d'argent. Ça va donner que vous. Ok. Un peu comme toi là. Tu penses vraiment que moi, avec le gros ventre, moi ronde comme je suis ronde là, je vais partir être avec un gars aussi rond, bien rond, deux corps de même nature se repoussent, madame, ça se repousse. Dans le cas échéant, ça peut donner. C'est bien fait pour toi. De toutes les façons, moi, je ne réponds plus de rien. Okay. Moi, calme-toi. Il faut que moi, je vais te faire une proposition, tu vois, non? Amène-moi à la boulangerie. Tu connais comme tu connais soit ma menina, non? Tu m'amènes à la boulangerie, tu m'achètes le pain avec le haricot. On met un peu les crevettes dedans, le piment. Ah, au nom de Dieu, tu vas te rendre compte que tu viens de poser une action qui va te relaxer comme ça là. Ah, on en met le massage et le sauna. Ils ne peuvent pas te faire ça. Tu vas bien, ça. Les beignets, c'est moi avec le haricot alors. Vicky? Je suis venue te dire un truc et je ne vais pas me répéter. Écoute-moi bien, je ne vais plus te voir tourner autour de mon frère Léo. Voilà ça qu'elle te dit. Tu manques tes attraques, manioc là, non? Je ne vais plus te voir tourner à côté. Je ne vais même plus te voir passer. Que s'il passe à gauche, tu prends la route. Hey, à droite. Chut. Tu es la femme de Léo. Tu vas l'épouser. C'est ton mari. Maman. Tu viens me prévenir de ne pas voir Léo. Que tu es qui? Tu es quoi? Regarde-moi celle-là. Je t'ai dit. Je ne vais plus te voir à côté de lui. Si c'est pour qui reste à une fille comme ça, mieux moi-même je l'épouse. Voilà ça qui te dit. Depuis que tu es arrivé dans la cité, si je ne fais que te rater, je te préviens. Parce que le jour que je vais m'accrocher sur ton mari, tu vas comprendre pourquoi il n'est pas la taille. Tu vas comprendre. Enlève tes petites machines là sur moi avec les fesses remplies de carton. Je dis que toi, tu n'es même pas le genre de belle sœur que j'ai rêvé à voir. Donc arrête tes conneries là. Mais fais dégager, laisse ça là-bas. Imbécile, j'espère que tu as compris ce que j'ai en train de dire. Je l'épouse. Regarde celle qui vient me parler. Je te répète encore, ce n'est pas parce que je ne parle pas que j'ai peur de toi. Si je ne parle pas, c'est parce que ta vie, non, c'est tellement misérable. Donc, ta vie n'en vaut même pas la peine. Donc, ne viens pas m'embrouiller avec tes bêtises que tu racontes là. Si je gère quelque chose avec Léonidas, c'est encore moins Léonidas. Ce n'est pas parce que je ne parle pas. Hein. Tu crois que j'ignore ton petit banditisme que tu fais ça? Toi, seule, une femme, tu es dans le banditisme, tu es dans l'escroquerie, tu es dans le vol. Tu ne me dois pas. Pardon. Tu ne me dois pas. Pardon. Tu ne me dois pas. Je peux te voir à un individu comme toi. Tu es là, non. Viens pitié de toi. J'ai signé une reconnaissance de tête chez toi. Tu me dois pas. Je manque les gens chez qui prendre l'argent. Pour venir prendre l'argent de toi, tu en as pas quoi? Tu n'as rien. C'est pour ce fait même que je ne veux pas te voir avec mon frère. T'es mienne là. C'est ça pour le genre de nom. Toute votre famille, vous. Tu n'avais pas besoin de signer toi, non. Et toute ta famille. Donc, je ne sais même pas. Commençant même pas à tes ancêtres. Jusqu'à arriver vers toi, vous me devez. Toute votre famille. Me doit. Même ton Léonidas là me doit. Donc, ce qu'il vous faut, non, c'est la police. Qu'on vous arrête, vous dégagez un peu de cette cité. Moi, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Et je pense que tu m'as écouté. Continue. Passe encore. Qui passe comme ça, tu lui dis même bouge. Attends.
Les filles, on les cherche à avoir le corps, la taille. Les gens comme nous, comme ça, Dieu a tout donné, tu viens, tu bavardes. Tu peux bavarder ou les femmes bavardent. J'étais déjà prévenue, tout ce que tu racontes là, non, ne sert à rien. Tu veux voir comment une petite fille grandit sur une personne comme toi, non? Passe encore le nez, passe jusqu'à ce que tu le regardes seulement. Ah, bouge là-bas. Ah, regarde-moi les deux paumes en genoux là. Eh, hey, va là-bas. Les deux paumes là. Elle vient me parler, je ressens une fille qui a les fesses en carton. Regarde tout ce que j'ai ici, elle vient bavarder. Elle bouge là-bas. Leonidas, Leonidas. Alors, elle vient me gâcher la matinée. C'est moi, on veut te parler. Ok, je vous écoute. On veut savoir, qu'est-ce que tu crées avec la soi-disant voisine qui est ici en haut là? C'est quoi cette question? Je reformule ma question. La Love et toi, vous créez quoi dans la cité-ci? La Love et toi, vous créez quoi dans les pommes de cette cité? Tu es normal. Tu me poses quel genre de questions comme ça là? Qu'est-ce que je peux bien traiter avec l'histoire de voisine, là, la chose là? Hein? Tu me parles que je traite les trucs dans les coins, coins, coins. Tu as les peurs de ce que tu racontes là? Faut te méfier. Alice, ton frère, il nous prend pour les idiotes. Je suis dépassée. Folle même. Donc, tu me vois en train d'ouvrir ma bouche. Je prends tout mon charisme, ma prestance. Je viens m'asseoir et te dire que je vais te parler. Je prends ma petite soeur, mon mannequin, je mets à côté que non, on veut te parler. Et je le fais sans les preuves. Leonidas, donc tu me dis que tu ne crains rien avec la voisine qu'on appelle la Lovasi. Étoile, tu peux me lâcher. Je ne traite rien avec la voisine, donc fiche-moi la paix. Ok. Alice, ton foncier. Attends, tu veux les preuves, non? Attends. Regarde. Regarde toi-même, non? La honte. La honte, non? La honte, c'est pire qu'un enfant qui a chié sur lui. Depuis quand vous me suivez dans cette maison? Hein? Jean, j'ai des comptes à vous rendre. Est-ce que j'ai des comptes à vous rendre? Jusqu'à vous me poser la question, je fais de ma vie ce que je veux. Ouais, c'est ça, mais. C'est de qui ça? Parce que dès qu'on vous parle, Léo, tu as des comptes à nous rendre. Ne pense pas que tu vas prendre le nom de notre famille, tu vas rouler par terre comme ça, on va te regarder. Tout à l'heure, toi-même, tu as dit quoi ici? Oh, la chose là. Une chose perdue comme ça dans la nature. Elle est machine comme ça, tu fais ça comment? Après, tu vas dire que non, on ne doit pas se mêler de tes choses. Tu passes le temps ici à te mêler des choses de tout le monde. La dernière fois que tu me parlais ici, là, que oh, tu sors d'où avec ça, c'était ton problème. Pourquoi tu mettais tes choses, ta bouche dans mes choses? Sache donc que à chaque fois que tu vas prendre le nom de la famille, c'est pour rouler par terre et tout. On va mettre une bouche dans tes choses. Bêta, tu prends encore ta banane jaune là, tu viens jeter ça ici. Et là. Et puis c'est toi. Tout. Et parle pas de mon bébé comme ça. Oh, mais bébé quoi ça? Bébé quoi? C'est même encore, c'est vrai que malgré tout, la banane jaune, comme elle est chiche comme tout là, avec qui je ne sais même pas, avec ses fesses comme ça là, elle, c'est vrai, j'ai comme l'impression que ton champ lexical au niveau des femmes, ce sont les fesses, oui, je comprends. Mais celle-là, celle qui habite ici en haut, avec ses fesses comme le carton, comme si on a rempli les cartons à l'intérieur là, je dis non. D'ailleurs, j'ai même déjà anticipé,
C'est même pas comme si je demandais ton avis. J'ai anticipé et je suis allée lui dire que le jour où je vais encore la voir avec ses fesses là rôder autour de tes 5,50 m. Ah mouf, c'est qu'elle veut lui faire. J'ai dit que je vais prendre même s'il faille prendre le tabouret, il veut manger comme ça, je vais la massacrer comme ça, je vais ronger comme ça. Ah mouf. Pardon, ne fais pas rire. Tu peux faire quoi à qui? Okay. Laisse qu'elle peut faire quoi à qui? On va se mélanger sur elle, tu vas voir. Voilà. De toutes les façons, je n'ai pas de compte à vous rendre. Hein? Attends, vous croyez que vous êtes les seuls à pouvoir développer les applications? Donc vous voulez manger sur moi et moi-même je ne mange pas sur moi-même. Pardon? Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Sache donc que tu as les comptes à nous rendre. Tu as les comptes à nous rendre. La fille qui doit être notre belle-sœur, non, Alice et moi, on doit la valider. Bon, je dois plus la valider. Sinon, tu ne peux pas prendre une fille ici-là et on n'a pas de sang, on ne donne notre accord. Et puis c'est tout. Je vois que le fait que je ne vous bastonne pas dans la maison, si ça monte dans votre cerveau, jusqu'à ce que tu te places, tu me parles, tu ouvres les yeux. C'est la dernière fois. Je n'ai pas de compte à vous rendre et vous me fichez la paix avec ça. Ok. Voilà. Ok. Tu étais en train. Tout à l'heure, ça ne fait même pas. Ça ne fait même pas 3 heures de temps. Tu étais en train de faire. Oh, tu riais, c'est là, tu te moquais d'Escalibur qui est parti enceinte la femme, non. Je vais te montrer que, comme tu riais pour Escalibur, nous, on va traiter même ton dossier à la base. Je sens que la fille, elle va déménager avant la fin de son mois. Et toi, tu bavardes même trop quoi? Trop parler, c'est maladie. On l'attend ici, là. Ben, moi, c'est la même chose.